wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, my double up, flop, vibrate the whole building. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons encore parler de GTA 6. Alors je le dis dès le début de la vidéo et c'est aussi marqué dans le titre, ceci est un fake. Alors j'ai vu beaucoup de personnes en parler, beaucoup d'youtubeurs en faire des vidéos, même mettre des titres assez provocateurs, disant que c'est officialisé, etc. Alors je vous le dis clairement, les informations concernant l'intérieur de GTA 6, quand je dis l'intérieur de GTA 6, c'est-à-dire les véhicules qu'on pourra trouver dedans, les personnages, les vêtements, les appartements, ou est-ce qu'il y aura un GTA Online, ça, tout ça est complètement faux. À l'heure actuelle, les modeurs n'ont pas accès aux fichiers de GTA 6, c'est tout à fait normal, car aucune information concernant GTA 6 n'est apparue. Il y a à la limite que Rockstar et Take-Two qui peuvent avoir accès à ce genre d'informations. Maintenant qu'on est en train de parler du contenu intérieur de GTA 6, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que Rockstar mettront exactement les mêmes véhicules qu'il y a sur GTA 5? Est-ce qu'il y aura officiellement un GTA Online? Car pour rappel, c'est la première fois que Rockstar met un GTA Online sur un GTA. À la base, c'était juste un multijoueur où vous faisiez tout ce que vous voulez. Là, cette fois-ci, GTA Online, c'est vraiment beaucoup plus développé. On a la possibilité d'avoir notre propre appartement, notre propre voiture, etc. avec des missions, etc. Mais est-ce que dans GTA 6 ce sera comme ça ou ce sera beaucoup plus développé, ça je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est des réflexions qu'on peut avoir et des questions qu'on peut vraiment se poser. Comme j'avais fait une vidéo il y a à peine quelques jours, Rockstar et Take-Two ont vraiment prévu d'aller à l'E3. Alors on espère vraiment avoir des informations sur GTA 6 à ce moment là Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. J'espère vraiment qu'elle aura fait plaisir. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, toutes les informations concernant l'intérieur de GTA 6 sont complètement fausses. Toutes les informations venant de GTA 6, j'en ferai bien évidemment une vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.